faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Noël Akosi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI RDA, ex-maire du Plateau, revient sur sa terre natale après 3 ans d'exil forcé. Le PDCI RDA ne peut que se réjouir du retour d'un de ses dignes fils. Le vice-président Noël Akosi Benjo s'est adressé à ses frères et sœurs qui ont effectué nombreux le déplacement pour lui souhaiter un bon retour en Côte d'Ivoire. Monsieur le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, représenté ici par le secrétaire exécutif en chef, professeur Maurice Kakou Gikawé. Camarades militantes et militants, chers amis, chers frères et sœurs, juillet 2021, trois longues années. Éloignés, mon épouse et moi, de notre pays, de notre famille biologique, de notre famille politique que nous avons construite ensemble, mais surtout de notre maison commune, la maison du parti, et qui nous ouvre aujourd'hui grandement ses portes pour célébrer avec vous et avec tant de chaleur notre retour, nos retrouvailles. Merci. Croyant que nous sommes, nous savons que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et que les épreuves que Dieu met sur notre chemin servent à élever notre sagesse, afin de mieux accomplir les missions qu'il nous confie. Que sa volonté soit faite et que toute la gloire soit rendue à Dieu qui fait tout bien en son temps. Qu'il me soit permis, à ce stade de mon intervention, d'exprimer toute ma reconnaissance au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, pour son soutien et ses efforts inlassables pour notre retour, et le prier de transmettre nos sincères remerciements au président Alassane Ouattara pour avoir engagé le dialogue qui permet la libération des prisonniers et le retour des exilés. Mais prions ensemble le Seigneur de continuer à les inspirer afin de poursuivre le processus de décrispation qu'ils ont engagé en vue de la réconciliation totale des fils et des filles de notre pays. Mais réconciliation incontournable. Si nous voulons reprendre le chemin de la construction de la nation ivoirienne, tel que voulu par le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Militants et militantes du PDCI, de retour auprès de vous après tant d'années d'absence, les mots me manquent pour décrire la joie qui m'anime. Face à la grande et chaleureuse mobilisation de ce jour, une mobilisation qui confirme que le PDCI est toujours debout et que le PDCI vivra. Cette vivacité, vous me l'avez insufflée par vos messages de soutien, vos prières, votre affection durant toutes ces années d'exil. Soyez-en infiniment remerciés. Que le Dieu de bonté lui-même vous le rende en grâce et en bénédiction. À tous les amis et connaissances qui se sont associés aux membres de ma famille pour l'accueil réservé à mon épouse et moi, je voudrais traduire nos remerciements pour ce grand honneur accordé à nos modestes personnes, mon épouse et moi-même. Je voudrais prier les doyens Koumo et Aouné et les populations et le chef de mon village d'Abobo-Doumé, les populations de la commune du Plateau, de se joindre à moi pour dire un grand merci à vous tous et à vous toutes. Nancy Brobé, aux membres
des délégations de ma génération Doubor et les chers Kaba, représentant les 64 villages à Kaba. Je voudrais dire merci enfin à tous les hommes de Dieu qui prient pour la Côte d'Ivoire, car leurs prières ont contribué à protéger notre pays. Nous les exhortons à demeurer en union de prière avec l'ensemble des Ivoiriens pour notre nation qui a impérativement besoin de réconciliation et de paix définitive. À présent, nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de tous nos morts des différentes crises. Nous traduisons également notre compassion aux blessés et apportons notre réconfort aux familles affectées par ces douloureux événements. Mais la sagesse nous impose de tirer les leçons des drames que nous avons vécus durant toutes ces années si nous voulons changer notre destin commun, car nous savons tous par expérience qu'on ne peut pas sortir d'une guerre sans haïr la guerre. On ne peut pas sortir de prison ou d'exil comme on y entre. On ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. C'est pour cela que Mandela disait, je cite, « Je suis sorti de 27 années de prison en y laissant la haine, la vengeance et tous les mauvais sentiments. » Mais, pour paraphraser Mandela, je vous dis tout simplement que je suis entré des îles sans haine, ni ressentiment, ni vengeance. Je suis entré avec amour, tolérance, esprit de paix, de réconciliation et de pardon. Nous devons tous et toutes à présent mettre de côté nos velléités partisanes qui ne servent que nos intérêts égoïstes, en désarmant nos plumes, en désarmant nos langues, en désarmant nos cœurs. Aujourd'hui, face aux défis sanitaires, la COVID-19, et les défis sécuritaires, le terrorisme, nous n'avons qu'un seul et une seule arme, notre unité, c'est la seule arme qui nous sauvera. Plus que jamais, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin de cohésion, de réconciliation, de paix, pour espérer vivre dignement. Mais cela ne peut se faire si nous ne sommes pas tolérants, Ça ne peut pas se faire si nous ne savons pas pardonner. Ça ne peut pas se faire si nous n'apprenons pas à nous aimer malgré nos imperfections et nos différences. Cela ne peut se faire surtout sans sacrifice. Nous avons accepté, mon épouse et moi-même, de faire des sacrifices pour notre pays, surtout pour notre parti. Oui, nous devons nous relever ce défi. Pour relever plutôt ce défi, accepter de faire des sacrifices individuellement et collectivement afin de réussir cette réconciliation vraie pour une paix durable si indispensable à la poursuite de la construction de notre nation. Et c'est pour cela qu'il faut saluer et soutenir la volonté de dialogue de nos leaders et les encourager à poser chaque jour davantage des actes concrets de consolidation de l'union et la cohésion des enfants de ce pays. Il est de notoriété dans chacun de nos villages que la responsabilité du maintien de la cohésion et de l'unité incombe aux doyens d'âge qui s'impliquent sans réserve, sans relâche dans cette quête. De même, notre grand parti est le doyen des partis politiques en Côte d'Ivoire qui fête ses 75 ans. Ce parti a bien intégré cette responsabilité et c'est à juste titre que le président Bédié ne cesse d'appeler au dialogue inclusif qui aura l'avantage de traiter en profondeur et avec efficacité tous les maux qui minent notre société. Cette unité nationale recherchée commence par l'unité au sein de tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Mais surtout, l'unité au sein du PDCI-RDA doit être notre première priorité. Si nous voulons donner l'exemple à la Côte d'Ivoire entière,
Nous devons commencer par nous unir et éviter de nous diviser pour des positionnements qui ne nous font pas avancer. Enfin, pour finir, foncièrement croyant, je dis c'est unis que nous ferons germer la graine d'espérance semée par nos lointains précurseurs qui sont partis et qui nous ont devancés, dont les photos sont autour dans cette salle. Unis, la Côte d'Ivoire s'est toujours montrée plus forte, performante et conquérante. Et son peuple s'est toujours révélé capable du meilleur pour l'Afrique et pour le monde. Et c'est sur ces mots d'espoir que je dirais vive le PDCRDA, rassemblé et debout comme un seul homme, pour que vive la Côte d'Ivoire, unie, réconciliée et prospère. Je vous remercie pour votre aimable. Ivoire TV.